Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Attendez deux petites secondes, je vais faire tout ce qu'il faut. Attendez. Je vais te faire ça. Deux petites secondes, attendez, j'arrive. Que je prends ça. Alors, on est de retour sur Animal Crossing New Leaf. Donc, comme je vous l'avais dit, voilà, j'ai joué en Arcane parce que voilà, chez moi, enfin, je pouvais pas live, mais ça n'empêche pas que j'ai pas, ça n'empêche pas, pardon, que j'ai joué et j'ai record deux petites séquences. Enfin, j'ai record le début des 2 jours. Je m'excuse si vous m'entendez de loin. Attendez, je m'occupe de mes écouteurs. J'ai un problème avec mes écouteurs. Petite seconde, ça va venir. Donc du coup voilà, dans un premier temps on va regarder ça. Donc il y a le 29-30 je crois. D'ailleurs oui, par rapport au jour des lives, là j'ai mis que c'est une jour 6. Je sais pas si on restera toujours sur ce petit coup ou pas, on verra. On verra au fur et à mesure, je pense. Mais pour le moment voilà, j'ai voulu rester sur le titre des lives qui sont. Comme ça, un jour. Voilà. Attendez, je vous. J'arrive, j'arrive. Deux petites secondes. J'ai lancé un petit peu à l'arrache. Je vais vérifier que. Hop. J'ai bien le son. J'ai du son ou pas? Non. Super. Tac, et là, est-ce que j'ai du son? Voilà, ok, là j'ai le son. Ok. Donc, dans un premier temps, du coup, comme je vous l'ai dit, on va aller regarder du coup ce qu'on a tourné des 2 précédents jours. Alors, hop, je vais vous enlever du coup la capture. Tac. Voilà, du coup, les records. Ok. Hop. Du coup, vous êtes prêts? On va regarder du coup le premier record qui était celui du. Ok, si je fais ça, voilà, c'est mieux. Donc ça, c'est celui de Salut Magina. Oula, attends. Maginal. Donc voilà, donc celui du c'est celui du. Du vendredi 29. C'est parti. Sauf s'il n'y a pas le son. Sauf si je ne mets pas le son du bureau. Ok. C'est reparti. Et je vais commencer, voilà, par-dessus. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé déjà dans un premier temps? Donc, Tom Nook nous a fait, dans un premier temps, son élocution. Donc voilà. Donc voilà, le musée, le chantier du musée a commencé. Donc voilà. Le musée du coup est à la place de son ancienne tante. Donc voilà, donc hop, et là il nous dit que ce soir il y aura une allocution pour fêter justement le musée. Donc du coup, hop, ça charge. Est-ce que je vais. Oui, je les cut en partie. Je m'excuse si vous voyez, voilà les bandes noires. Enfin, les 2 bandes noires, c'est pas grave. C'est juste parce que. Parce que je passe par VLC en fait. Pour vous diffuser ça. Et d'ailleurs, dans une autre part. Dans la deuxième partie. Enfin, dans le deuxième record, il y a des bornes noires qui sont plus présents. Parce que. Donc là, voilà, on a reçu le télescope et le marteau chirurgical qu'on avait. Commandé lors du dernier live, donc on les a reçus. Donc voilà, c'est dans les réglages de la
Donc en fait, deux petites secondes, quand je mets. Donc vous avez, au niveau des bordures noires, de prochain record, j'en parle vite fait. C'est juste qu'en fait, la qualité, la résolution qui est pour mon AVR Media n'est pas la même que pour ma télé. Ce qui fait que quand je la règle pour mon AVR Media, sur ma télé, la qualité est trop élevée. Attendez, je vais faire vite fait quelque chose. Voilà. Ok, on continue. Yo Timbo 2007. On continue. Donc voilà. Tac, donc là on a tout ouvert. Donc voilà, notre magnifique masque chirurgical. Ok, ensuite j'étais par la mélo, voilà. Mais il voulait rien, donc bon. Donc voilà, il voulait rien. Mais pas grand-chose. Salut Ewen! Donc voilà, donc là il nous parle de Miles Nook, on s'en fiche un peu. Ensuite, j'étais voir Tom Nook. Qu'est-ce qu'il me voulait? Je sais plus ce qu'il me voulait, Tom Nook. Ah oui, il me parlait du musée. Donc justement, il me parlait du musée. Donc là, j'ai toujours. Ah! On n'a pas encore le musée, je me souviens plus. Ah si, on l'a aujourd'hui le musée. Ah, ou pas encore! Non, le musée est encore aux travaux aujourd'hui. Voilà. Le musée est encore aux travaux et c'est demain qu'on l'obtient, donc hier. Donc voilà. Là, le musée est encore aux travaux. Voilà. C'est le premier jour des travaux du musée, donc il n'est pas encore fait. Donc voilà. Voilà pour le premier record. Donc voilà. Le record, entre guillemets, le moins intéressant. On va tout de suite passer, du coup, au record de la journée d'hier. Donc déjà, on a eu un temps de pluie. Voilà, et c'est ça la bordure noire que je vous disais. Oula, attendez. Tout de suite, seconde. Voilà. Je vais vous remettre ça au début. Donc voilà, donc on a eu de la pluie déjà dans un premier temps. Et Tom Nook, du coup, qui nous a parlé. Bonjour, bonjour. Il est. Voilà, j'ai tourné ça le soir. Donc les infos du jour. Et le musée qui est bel et bien arrivé. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, les bordures noires. Ça disparaît dans au bout d'un moment. Donc voilà. Donc voilà, l'entrée est gratuite, bien sûr. Et voilà la cérémonie d'ouverture que je vais faire aujourd'hui. Donc faut qu'on aille voir Tom Nook pour faire la cérémonie. Bonjour The Clean. Donc voilà, donc c'était encore le bazar. On a eu du courrier, je crois que je l'ouvre pas. Je sais plus. Je l'ouvre ou pas? Oui, je l'ouvre. Ok, donc avec le programme Maze Look, donc voilà, je vous laisse dire. Merci The Clean pour le follow. Donc voilà, on a eu un cadeau. Le cadeau qui est. Je sais même plus, c'était quoi? Ah, le sac à dos de Nook Mike que j'avais commandé la veille, moi. Que je m'étais acheté la veille. Du coup, voilà, je l'ai reçu. Le magnifique sac à dos. Ensuite, j'étais voir Tom Nook pour faire la cérémonie. Oui, la rediff de tous les lives sont dispo sur YouTube. Si vous voulez. Donc, c'est parti pour la cérémonie. Donc voilà, donc il y avait tout le monde, et notamment Thibaut, sous un ciel magnifique. Sous un ciel magnifique. Bonjour Paradisia, voilà. Donc voilà, Thibault le conservateur. Donc là, ce record est plus long, je crois qu'il fait bientôt 10 minutes. Ouais, il fait 10 minutes. Mais il y a plus de choses dedans. Enfin, selon moi.
Donc voilà, je vais écrire les dialogues. Donc concrètement, ils disent ce qu'ils vont faire dans le musée. Et voilà, donc nous on avait un discours à faire. Vu que je vous rappelle que voilà, on est délégué insulaire de la ville. Et voilà, j'ai dit on est trop fort, voilà, pour éviter de me la péter. Salut Crystal Dark. Voilà, donc là c'est pour nous dire, voilà, vous pouvez, on aurait pu immortaliser. Moi je ferai ma miniature au montage. Enfin, au montage, en regardant les replays. Pas de soucis à ce niveau-là. Et voilà. L'Olma mon île, elle est 5 étoiles. Ah! Ok. Donc voilà, donc là, la question, c'est fini. Ensuite, j'étais voir Thibaut pour aller voir son musée, pour lui faire le premier dialogue, pour voir s'il avait des choses spéciales à me dire. Je crois pas. Je crois pas qu'il avait un dialogue spécial. Tu voudrais... Voilà, les bandes nord sont parties. Tu voudrais Rosie, je sais pas qui c'est. Moi aussi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé hier. Ah non, bon, ça fait un petit peu plus longtemps. Ça va faire... un peu moins d'une semaine, je dirais. Quoique, je sais plus. Bah, on va vite faire regarder. Attendez, quand est-ce qu'on a commencé le let's play? La chatte bleue. Bah, pour le moment, sans... enfin, je cherche pas forcément des personnages à proprement parler actuellement. Ok, donc voilà, donc on a fait le dialogue. Maintenant, on va lui donner. Je vais lui donner. Voilà, je vais donner tous mes poissons et tout ça. Et ça, je voulais pas passer pour vous faire montrer également aussi les poissons que j'ai pêchés. Donc voilà, donc là on a. Voilà, on a l'escargot d'ailleurs que j'ai chopé juste avant de d'aller voir. Enfin, j'ai chopé à l'entrée du musée. Donc bon, je vais donner. Donc voilà, pas mal de petites donations. Et donc après on fera un tour du musée aujourd'hui. Enfin dans le jour d'aujourd'hui, vu que là on est encore dans le récap d'hier. Voilà, ensuite, tentative de scorpion, échec. Ensuite voilà, j'ai continué à lui donner mes... Ah non, dans un premier temps j'ai expertisé quelques fossiles. Et ah oui, ce qui est bien, j'ai oublié de préciser, c'est que maintenant depuis qu'on a le musée, on peut... Enfin, vous l'avez vu, on peut faire une donation de plusieurs objets en même temps. Et l'expertisation des fossiles aussi. On n'est plus un par un en fait. Donc ça, c'est vachement bien. Que des fossiles que le musée n'a pas. Logique, le musée n'a pas de fossiles encore. Voilà, et après je vais donner. Est-ce qu'on ira voir des maisons d'habitants? Encore une fois, vos îles à vous, on ira les voir. Enfin, on va les voir vers les fins du live, si on a le temps. Voilà, donc là, hop, je vais refaire une autre donation. Tac, voilà, j'avais quelques poissons à lui donner, mais d'abord j'ai expertisé fossiles, c'est vrai. Niveau clochette, je crois que j'ai pas mal de clochettes. Et dans le jour d'aujourd'hui, enfin quand on va reprendre le jeu, normalement on aura un arbre à clochettes à aller chercher. Voilà, je m'excuse pour le petit drop, il y a eu un petit drop. Voilà, il y a des petits drops, désolé. Tac, donc voilà, ensuite on y donne.
Bon, là, ça va être la phase... là, c'est la phase un peu long où je donne tout. Où je donne tout à Thibaut. Je pense honnêtement pas qu'on aura le temps d'aller voir vos îles aujourd'hui. Parce que vraiment, on a pas mal de choses à faire. J'aimerais bien peut-être faire une visite du musée. Donc voilà, donc hop, ensuite j'ai retrouvé un trou d'or. Donc voilà, je l'ai déterré. Et j'ai obtenu 1000 clochettes. Et j'ai fait ce que vous m'avez conseillé, à savoir enterrer 10 000 clochettes. Au lieu de 1000, j'en ai enterré 10 000. Donc on va voir si c'est plus rentable ou pas. Je sais pas. Donc voilà, ça c'est fait. Tac, et ensuite j'ai pris l'arbre et je l'ai planté juste à côté de chez moi. Je l'ai planté juste à côté de chez moi, je crois. Devant chez moi même. Bon, ensuite, j'ai donné le reste de mes fossiles à Thibou. Mais vous allez voir que... Vous allez voir que... Voilà, il y en a certains que le musée a déjà. Donc du coup, je vais aller les revendre. Enfin, j'étais les revendre juste après. Mais ce que le musée n'a pas, je les ai donnés. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite... Donc voilà, je vais donner mes deux fossiles. Et je crois que j'en ai eu pour 10 000, je crois. Peut-être moins. 10 000, ça fait beaucoup. 7 000. Donc voilà, du coup, on est passé le cap des 63 000 clochettes. Et voilà pour les récaps des vidéos. Pour le récap de ce qu'on avait fait. De ce que j'ai fait en record. Maintenant, tac, on va pouvoir reprendre le jeu et voir ce que l'avenir nous réserve. Donc c'est parti. Alors, bonjour, bonjour, il est 20h50 en ce beau dimanche 31 mai et c'est Tom Nook qui vous parle. J'ai une nouvelle très importante émettant de l'ami Thibou. Pour fêter la journée internationale des musées, le hôte hébergera un relais tampon du 18 au 31 mai. Ok, bah c'est fini en fait. Enfin, ça se finit aujourd'hui. Si cela vous intrigue, autant que moi, foncez au musée et tentez votre chance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée à Paradisia. Ok. Donc, ok. Bon, je sais pas. On a trop de choses à faire. Alors, hier, on n'avait rien à faire. Mais là, on a beaucoup trop de choses à faire. Dans un premier temps, on devrait avoir un arbre à clochettes. Si j'ai pas de bêtises à récupérer. On devrait... Ok, donc déjà ici, on a un fossile. Que je vais déterrer. Boum. Oh, on a nos oranges qui ont poussé. Les oranges que maman nous a envoyées ont poussé. Ok, donc on pourra peut-être en planter un petit peu plus. Et on est censé avoir un arbre à clochettes qui a poussé.
Où est-ce qu'il était, Starbuck Clochette? Là. Voilà, on a un arbre à clochette qui a poussé. Donc, de mémoire, comment ça marche? Pas du tout. De mémoire, on va là. On enlève ça. Tac, et là, on empoche des clochettes. Parfait. Attends, 2 secondes, toi. Bonsoir. La nuit aussi, on peut faire du sport. Je pensais pouvoir improviser. D'accord. Donc ok. Bon, on va le laisser pour le moment, cet arbre-là. Ok. Ensuite, on va aller chercher tout de suite, avant d'oublier, les Miles Nook quotidiens. Que j'ai pensé à faire durant les 2 jours. Ce qui fait que là, on va avoir pas mal. On doit être à 6 jours, je crois. 5 jours d'affilée. Donc voilà, 200, c'est déjà pas mal. Ok. Parfait. Toi. Ici, rien, pardon. Toi. Tu me vends quoi? Pff, tu vends quoi encore que de la merde, c'est nul. Tac. Et du coup, achète-moi. Bah rien en fait. Bah rien. Ok. Ensuite, donc on va lui donner nos fossiles et on va aller faire un tour du musée. Donc là, on a 1, 2, 3 orangers. Ok. On verra peut-être à... J'ai vraiment raté le gros papillon. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bonjour toi. Vois-tu, les galeries d'insectes, de poissons et de fossiles ont chacun 3 stations à tampons, ok? Ok, donc il y en a 3 par... ok. D'accord, bon, on va essayer de faire ça. Comme ça, en même temps, on fera le tour du musée. Ok. Du coup, on a tout. Oups. Vas-y, expertise-moi ça. Du coup, ça fait 9 tampons. Salut masque. Mais faire une donation. Ok, donc le fossile du coup il est déjà. Ok, donc du coup on va aller voir les systèmes des tampons, son système de tampons, voir ce que c'est. Alors du coup, ça y en avoir 3, c'est pas ça? Non. Donc voilà, donc là on a un...
Ah ok, ça c'est un poisson. Tu n'as pas beaucoup de spectateurs pour de la bonne qualité. Merci à toi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. Ok, donc on a un tampon. Merci beaucoup, c'est dommage. Bah, vous de ramener des gens alors. Merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir. Bon voilà, donc là on a deux poissons. Salut, Paysora. Donc voilà, là aussi on a quelques petits poissons. Je vous laisse les reconnaître. Tac, ok, donc là on a un deuxième tampon. Franchement, le musée est super beau. J'avais. Faut savoir que j'avais. Je l'ai pas vu en votre absence. Mais bon. Tac, donc ok, on a deux tampons de poissons. Voilà, ici on en a aussi un petit peu. Ils sont magnifiques. Franchement, et ce musée est super beau. Ils se sont gavés pour ce musée. Ici, est-ce qu'on a des poissons là? Ah oui, on a un truc. Je sais pas par contre comment on voit ce qu'il y a dans le bassin. Ah non. Ouais. Ouais, non, on voit que ça. Ah, et les anchois, ok. Alors, attendez. Parce qu'il nous manque quand même toujours un tampon. Ok, donc ici c'est des choses qu'on n'a pas. Oups. On peut passer derrière. Oh, attendez, ça c'est un truc de tampon ça. Oui. Non. Bah. Bon, mec, continue comme ça et bonne continuation. Je te suis et je passerai parfois. Salut. Bah, merci à toi. Ça fait plaisir. Et puis, bah, bonne soirée à toi. Merci à tous. Et à la prochaine. Alors, ici, on a quoi? Un calamar. Une limande. Et un poisson scorpion. Poisson scorpion? Ah. Scarus. D'accord. Et un barquement. On dirait des noms de Pokémon. Le poisson chirurgien. Le poisson papillon. Le timbre. Récif corallien. D'accord, en plus on a des petites anecdotes. Je sais pas. Ok, donc la partie des poissons, c'est fait. Merci Masque pour le follow à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, pardon. Ici. Ouais, hey, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? Ici c'est quoi? D'accord. Ok, donc du coup on va pouvoir aller voir la suite. Donc les poissons, c'est fait. Ensuite, les fossiles. Oh, les fossiles, on en a pas mal. Ok, donc déjà là, on a le premier tampon. Parfait. Je vais te faire garder. Et franchement, c'est super beau.
C'est magnifique. Le musée est magnifique, vraiment. Ok, là on en... Waouh, là on est dans la partie dinosaure. Oups. Parfait. Mon dieu, il est fou ici. Mon dieu, celui-là, on pourra passer en dessous, ça va être trop bien. Oh la vue! Oh mon dieu, c'est beau! Finalement, je reste, il n'y a pas d'autre chose. Bah, merci à toi. Et on a le dernier fossile. Ok. Yo, Toro Z. Ok, donc on a tout la partie. Ton live est cool. Merci. Vous faites plaisir. Ça fait plaisir quand on reçoit des messages comme ça. Alors, donc, du coup, on a tous les trucs des fossiles. Bon, on va te faire regarder. Ici, du coup, on a quoi? Le banté, machin, ok. Putain, ça va être super beau. C'est magnifique. What the fuck? Ah oui! Je connaissais ce machin-là. En fait, regardez tous les animaux. C'est leur descendant. Et le dernier, c'est nous. C'est nous. Donc, à mon avis, on doit avoir un humain, je pense. Peut-être un crâne humain, je sais pas. Quoique ça paraît très bizarre. Je sais pas. Peut-être qu'on pourra déterrer un crâne humain. Mince. J'aime beaucoup l'animation. Ok. J'avoue, c'est trop beau. Ouais, le musée est vraiment super cool. Je crois que le musée de New Leaf était... Je m'en souviens plus. Je sais plus où en vrai. On l'a pris ça? Oui, ça on a pris. On a tout pris. Je me souviens pas du musée de New Leaf. Woolly World, je m'en souviens partiellement. Il était basique. Celui de New Leaf, je m'en souviens absolument plus. Enfin, en même temps, New Leaf, j'ai pas joué beaucoup. Ok, donc, et donc là on a les papillons. Et je crois que les papillons c'est. Ah, j'allais dire, c'est peut-être ce que j'ai le plus. Mais en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que les poissons, j'en ai quand même pêché, pardon, pas mal. Donc je sais pas. Ok, donc là déjà on a un truc. Arbre géant. Ici. Il est beau l'arbre. Wow, c'est beau. Oh mon dieu. Ok, ici on a un deuxième tampon. Il n'y a pas de choses ici. On n'a peut-être pas d'insectes ici. Ah si, on a un papillon là. Oh, regardez, on a les papillons. On a un papillon là, dans les fleurs. Et on a un autre sur les pancartes là, juste devant moi. C'est beau. Franchement, c'est magnifique. Là, on a quelques petits poissons. Ok. Ah! Non. Ça c'est ce qu'on récupère dans les... C'est ce qu'on récupère sur l'eau. Moi, je dois attendre un mois pour Animal Crossing. Ah. Moi, je dois attendre. J'ai payé pour acheter qu'elle soit la Switch. Moi, ma Switch, je l'ai payé vraiment super cher. Regardez, ici, on a là, ici, on a l'escargot. Là, on a un... Quelques... Ah oui, ou le papillon, je l'avais pas vu.
Là, on a un autre papillon. Super beau. Là, on a la coccinelle. Et on a l'escargot. Moi, la Switch, il faut savoir que ma Switch, je l'ai vraiment. Enfin, vraiment, je l'ai vraiment payé cher. Je vais pas vous le cacher. Tu t'en fous, je sais. Non, non, je m'en fous pas. Je m'en fous pas. C'est juste que des fois, je dis pas les commentaires haute voix. Mais. Enfin, disons qu'en fait, il y a des messages que. Les messages que je dis pas haute voix. C'est plus parce que. Parce que voilà, je considère que. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas expliquer, mais. Que voilà, c'est plus un dialogue entre vous et moi, quoi. Tandis que les dialogues astuces, les trucs comme ça, je les lis à haute voix parce que j'estime que ça pourrait intéresser tout le monde, en fait. Ma Switch, moi, je l'ai payé 600 balles. Mais bon, enfin, déjà, j'ai la collector Animal Crossing. Plus en plus, je l'ai payé pendant le confinement. Donc, voilà. Ils sont pas constructifs. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, encore une fois, c'est pas méchant, mais oui, c'est pas. Enfin, en fait, disons que les commentaires que je lis pas, généralement, c'est des commentaires qui ont rien à voir avec le jeu. Avec ce qu'on fait. Du coup, je les lis à voix basse. Voire même dans ma tête, en fait. On a tout? Est-ce qu'on a tous les tampons? Il nous en manque? Je sais plus. Je crois qu'il m'en manque un. Ouais, c'est ça. Pas par là. C'est beau par là. Ça fait très endroit scientifique, j'aime beaucoup. Par contre, je crois qu'il me manque un tampon, non? Oui, t'inquiète, je comprends. Je sais plus, il me manque un tampon ou pas, mince. Je crois pas. Mais en même temps, je sais plus. De toute façon, on était voir partout, je crois. Ici, on y était. Non, ici, on n'y a pas été. Waouh. Magnifique l'espèce de fontaine. Si on y était. Mais j'ai pas eu capté la fontaine. Si on y était. Oui, si on y était. Donc ça, on a eu, on a peut-être tous les tampons. L'aspect rétro. Non, je pense que je vais toujours continuer à en faire parce que voilà, le rétro c'est quand même la base de la chaîne. Mais c'est vrai qu'honnêtement, je vais pas vous le cacher. Je vois clairement la différence entre le. Enfin, notamment avec le. Parce que Captain Toad c'était du rétro, mais du rétro plus récent. Mais là, je la vois la différence entre Minecraft Dungeon, Animal Crossing et Wario. Wario est lent! Le jeu, plusieurs fois en commentaire, on m'a demandé qu'est-ce que tu penses du jeu. J'aime bien, mais c'est trop lent. C'est trop lent, enfin, c'est trop lent, j'ai l'impression que ça manque d'histoire. Enfin, au final, je me demande de plus en plus, est-ce que c'est vraiment un style de jeu pour moi? Donc bon, on l'a lancé, on est très proche de la fin, donc on va le terminer. Mais en vrai. On le fera pas 100%, ça c'est sûr. Voici le glorieux temple. Ok, donc on a eu tous les poissons. As-tu songé à prendre quelques clichés pour immortaliser ta quête? Non. Que tu viens d'achever. C'est vrai, je prends aucune. Enfin, je prends pratiquement pas de photos. Ton Nook Fan se double d'un appareil de qualité et nos aquariums construisent un excellent décor. Ouais. Oh, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, le prix. Le voici, avec les félicitations du jury. Oh. Bien, impliquons maintenant le tampon de certification. Yeah. Ok.
Ok, donc en fait les trois c'est un rallye différent. Ok, moi je pensais que c'était le même rallye, mais non. Ok, donc du coup on va obtenir trois récompenses. Oups! Ça rapporte combien une équipe? Pas assez pour vivre en tout cas. Je crois que c'est. C'est pas 3 centimes la vue, je crois. Par pub. Je sais plus, ça doit être. En vrai, c'est pas beaucoup. C'est 2-3 centimes la pub. Mais pas beaucoup plus. Mais bon, après, vous pouvez comment regarder des pubs sur Utip. Ça fait plaisir. Mais on l'a pas validé, l'autre. Ah, donc il nous manque un tampon, ici. Ici, on n'a pas tous les tampons. What the fuck? Un tampon. Ok, voilà. Ah, il nous manque ferme aux insectes. Ferme aux insectes. Où est-ce que ça va être ça? Ben voilà, si vous voulez, vous pouvez quand même regarder les pubs sur YouTube. Encore une fois, je suis pas contre. Hein. Ah bah c'est juste là en fait. Ok. Ok, on va retourner voir Thibaut, il va nous donner la dernière récompense. Ok, on a encore de la place. Par contre, on a obtenu quoi? Ouais, c'est des plaques. Ouais, c'est des plaques, ok. Bon, on pourra peut-être mettre ça chez nous, je pense. Tac, donne-moi ma récompense. Si un jour tu peux gagner de l'argent et gagner ta vie avec YouTube, tu le fais ou pas? Ça dépend. Enfin, si je peux gagner ma vie, oui. Sinon, non. Parce qu'honnêtement, encore une fois, comme je le dis et que je le répète, si je gagne ma vie en faisant des vidéos, ça veut dire que j'ai pas besoin de faire quelque chose à côté. Ça voudra dire que je pourrais me consacrer plus à YouTube, au stream et tout ça. Donc voilà, tout simplement. Ah oui, par contre, c'est bien ton truc, mais. Aujourd'hui, ça serait bien qu'on ait l'argent. C'est quoi ça? Map monde. Et ça, c'est quoi? Télescope. Bon, télescope, on va pouvoir le placer à la limite. On va le mettre là. Voilà. Ok, ensuite, on va faire un petit tour des coquillages. Yo, Team Trax. Voilà l'herbe à clochette que j'ai planté là. Tac, donc on s'occupe des coquillages. Là.
fais quoi? On se fait un petit peu d'argent, on va essayer de rembourser le prêt. Le premier prêt pour la maison. Enfin, le prêt pour la maison. Ah, c'est un Bernard l'ermite. Il retourne à l'eau. Raté. Tac, on continue. Ok, donc là on a tout fait. On a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Toc, 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 toc. Prang. Prang. Bon, cette fois, je m'en vais vraiment. Salut. Bah, salut, Masque. Merci à toi, en tout cas, d'être passé. Bonne soirée et bonne nuit. Peut-être à demain si on live et que vous venez. Oh, il est encore là, lui, là, le fantôme. On l'avait déjà eu bah, lors du dernier live. Donc on récupère toute la plage. On verra ça quête après. De toute façon, aujourd'hui, vraiment, on a pas mal de choses à faire. Est-ce qu'on a une canne à pêche? Pas de canne à pêche, mince. Faudrait qu'on aille s'en fabriquer une. On a de quoi ou pas? On a de quoi. Ok. On va aller vendre tout ça. Il y a des fossiles aussi. Tac, ok. Ça, oula non. Ouais, c'est déjà pas mal. Cette clochettes, donc on passe. Parfait. On passe le cap des 70 000. Ok. Ah, on a une truc comme ça. Hier, j'ai ramassé des trucs pour faire du bricolage sur mon île. Et j'ai eu une super idée de plan. Je mets le plan dans la bouteille parce que je veux la partager. J'espère que tu vas t'en servir. Pas haut, ok. Donc, on va peut-être faire un tour, peut-être des fossiles dans un premier temps. Tac. Hop, on va reprendre notre pelle. Et on continue. On cherche des fossiles. Voilà. Parfait.
Oui, demain il y a du Minecraft Dungeon. Ça c'est cool. Tac. On va pouvoir replanter des clochettes. Tac. On ressort 10 000 clochettes. Et hop. Oula non. Et hop. On enterre. Tac. On récupère l'arbre. Avec nous. Tac, et ça, je le plante à chaque fois proche de chez moi. Mince. Oula. Ok. Salut. Simiaouaz. Simiaouaz. J'espère que je prononce bien. N'hésitez pas à m'engueuler si c'est pas le cas. Un bar commun, parfait. C'est pas vrai, c'est de la merde. Oui, ça va. C'est déjà mieux que... D'accord. Je prendrai pas le risque de prononcer le pseudo que tu as dit. Mais en vrai, je pense que... Enfin, et moi le premier. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile de... dire les pseudos des autres. Parce qu'en fait, chaque pseudo a une prononciation différente, en fait. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Tout le monde prononce mal mon pseudo. Désolé. Je voulais pas. Je voulais pas que ça te rappelle de mauvais souvenirs. Je voulais pas. Je voulais que tu viennes ici en étant joyeuse. Ou joyeux, d'ailleurs. Je voulais pas raviver des mauvais souvenirs. Je voulais pas. Excuse-moi. J'espère que tu seras me pardonné. Ma vie n'est qu'erreur. Ah. Vous savez, moi j'arrive à me faire chialer sur demande. Parce qu'à faire semblant de chialer, à force, mince, à force j'en chiale vraiment. Bon bah on va aller voir Thibault, on va checker ce qu'on a. Point, 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 point. Salut, Williax. Là. Bonsoir. Installez-vous, prenez. Non, prenez peut-être pas un café à cette heure-là. Un petit chocolat chaud avec des petits cookies. Et mettez-vous à l'aise. Point, 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 point. Au fait, je voulais savoir selon toi. Oula. Williax, mon pseudo. Arrêtez de m'engueuler avec les pseudos! En fait, je voulais savoir, selon toi, car je peux prendre deux jeux Switch, mais j'hésite. Je te conseille pour passer le temps, enfin, si t'es quelqu'un qui s'ennuie rapidement, pour passer le temps, je te conseille Animal Crossing. Si... Tu aimes l'aventure, je te conseille peut-être un Zelda ou un Mario. Si tu aimes les jeux multi, je te conseille un Smash Bros ou un Mario Party, Mario Kart.
En vrai, ta question, elle est pas facile. Elle est pas facile à répondre. Après, voilà, ça dépend de ton style de jeu, en fait. Ça dépend de ton style de jeu. Moi, je sais que, enfin, moi, personnellement, j'ai pas pu choisir. Je me suis pris Yoshi, Animal Crossing, Mario Odyssey, Zelda et Super Smash. Parce que j'hésite entre Mario Kart et Mario Maker. Ça va pas être objectif. Animal Crossing, c'est sûr. Oui, Animal Crossing est génial. Ça va pas être objectif, mais moi je vais te dire Mario Kart pour la simple et bonne raison que j'aime pas Mario Maker. Mais c'est pas objectif. C'est pas objectif, c'est juste que j'aime pas Mario Maker. Ça te dit de venir sur mon île? Ma soeur le veut absolument, oui. Franchement, ma mère voulait Animal Crossing. Et franchement, il est vraiment super cool. Ça te dit de venir sur mon île? Pour les îles, les gens, on fait ça vers la fin du live, si on a. Enfin, avant de s'arrêter, si le live n'est pas trop long. Déjà. Donc, on verra. Mais franchement, Animal Crossing est super cool. Mais il faut savoir que enfin, je me suis acheté ma Switch. Vers quelle heure, s'il te plaît? Je sais pas. Je sais pas du tout. Généralement, on fait 2 heures de live, à peu près. Ouais, 2 heures de live. Donc, là, on est déjà bientôt 1 heure. Donc, vers 22h30, on va dire. De 22h30 à 23h. Ouais, donc, je disais, moi, je me suis pris. Enfin, ça fait 7 semaines que j'ai reçu ma Switch. Faut savoir que ma mère voulait déjà s'en acheter une. Ok. Pas grave, je reste avec vous. D'accord. Donc ouais, ma mère projetait déjà de s'en acheter une et puis là, je pense. Enfin, elle veut vraiment s'en acheter une. Mais voilà, moi il faut savoir que voilà, la Switch, je me la suis pris en mode gros cadeau d'anniversaire. Bon, et puis tant qu'à faire, je me suis pris l'Avermedia, tout ça avec, direct. Vu qu'en vrai, ce qu'il y a, c'est que. Bon, déjà, j'ai rarement une console. Et ce qu'il y a, c'est que le truc, c'est que. Avoir un Avermedia tout seul. Enfin, avoir une console tout seul, pardon. C'est bien, mais. Enfin, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il faut l'Avermedia, faut tout ça. Enfin, pour un streamer. Tu as quel âge? J'ai eu 20 ans semaine dernière. Donc voilà, donc du coup, je me suis pris la Switch comme cadeau d'anniversaire. Attends, on commence à manquer de place pour les arbres à clochettes ici. C'est fou. Je trouve que. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est ce youtubeur. Je sais pas ce qu'il fait. Merci pour le follow. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Je crois que c'est Simiawed pour le follow, je crois. Mais vu que j'ai couvert un S, oui c'est ok. C'est bien toi. Bah merci à toi. Vu bon, encore une fois, enfin, des fois je regarde le retour à GPVR, des fois je regarde pas vu qu'il y a une milliseconde de décalage, mais bon, une milliseconde assez gênante en fait. D'ailleurs, enfin, quand j'ai fait les deux records qu'on a vus au début du live pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai fait deux records donc des 2 jours précédents que j'ai pas filmé. Oh, excusez-moi. Je disais oui non pour les retours des deux lives précédents. Enfin, pour des 2 jours précédents, j'ai. Avec mon logiciel de record, j'ai l'impression qu'il y avait moins de latence. T'as une chaîne YouTube? Oui, tu fais point d'exclamation YouTube dans le chat et tu l'obtiendras. Je.
Prends tes Nutrimites. Je les ai déjà pris, je les ai pris au tout début du live. Enfin, normalement, je les ai pris. Il me semble que je les ai pris. Tu mets un doute, mais je les ai pris. Attendez. Je les ai pris ou c'est dans le. Dans la vidéo des jours précédents que je les ai pris. Je sais plus. Je sais même plus. Vous avez réussi à me mettre un doute. On va regarder ça. Mais je crois que je les ai pris. Non, ah, mais sur ton Nookphone. Sur ton Nookphone. Sur mon Nookphone. Vous voyez, avec le décalage, j'arrête. Voilà. Voilà ce que ça fait typiquement avec le décalage. Parce que moi, quand j'appuie, ça s'ouvre pas. Du coup, j'irai plus une deuxième fois. Enfin, vu qu'il y a une demi-seconde de décalage. Tac. Ouais, on a bientôt tout ce qu'il faut. Attends, on est bientôt 8000 miles. Comme ça, les miles, je vais les garder pour les futures améliorations. Et on a tout, ok. Je vais juste faire regarder ça. Oui, ça on les a pris, ok. Les miles quotidiens. Que puis-je faire pour toi? Non. Je veux moi te vendre des choses. Toi, tu veux vraiment que de la merde par contre. En vrai, j'adore les chemises d'Animal Crossing. Enfin, de Tom Nook et... Enfin, surtout, c'est le Tom Nook. Je trouve vachement classe. Combien? Attention. 6100 clochettes. Pas mal. Attends, 6100 clochettes, pourquoi? Attendez, il y a quoi qui... Qui vaut vraiment 6100 clochettes. On lui vend rien de spécial. Ah ouais, on lui vend quand même un fossile. Ça se comprend. Quand tu viendras sur mon lit, je te ferai un petit cadeau. Ok, si vous voulez. Une fois, vous êtes pas, vous sentez pas obligé. Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait à faire d'autre? Non, je crois qu'on n'a pas fini les fossiles. Voilà, c'est ça. Oh, un petit poisson. Tu te fous de moi? Voilà. À mon avis, on va pouvoir aller voir vos îles bientôt. On va fait regarder là-haut. T'inquiète, j'ai que 2 millions en banque. Lol. Lol. C'est beaucoup. Franchement.
Moi, c'est ce que je gagne tous les jours. C'est quoi ça? On l'a déjà ou pas? Non? Tu comptes faire un thème quand tu vas décorer ton île? En vrai, je sais pas parce que mine de rien, j'aime bien justement le thème île. Donc, je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Une guernouille. Une petite guernouille. Moi, il y avait un truc là. Oula. Je vais m'arracher l'écouteur de l'oreille, je vais me faire tellement mal. Je vais me prendre la manette dans l'écouteur, ça m'a arraché l'écouteur de l'oreille, ça m'a latté l'oreille. Ah ouf. Triste vie pour ce jeune youtubeur. Tu as pris quel hémisphère pour ton île? L'hémisphère nord, je crois. Je crois que l'hémisphère sud, ils sont en hiver. Vu que... Oui. Lors du dernier live, on était voir quelqu'un de l'hémisphère sud. Et il était en hiver. Malin. Bon, je crois qu'on a tout déterré. Désolé de te poser autant de questions. Si je voulais pas de questions, je fais pas de live. Non, mais c'est ce que j'aurais pu. J'arrive pas à me prendre les écouteurs. C'est ce que j'aurais pensé souvent, mais en vrai, c'est ça. Enfin. Disons que je veux pas d'intéressant, je fais pas de live, quoi. Même si, encore une fois, enfin. Faire les vidéos et faire les lives, c'est totalement différent pour moi. Les deux sont cool, mais les deux sont totalement différents. On va récupérer ça en vrai. Ouais, il y a quoi là? Ah oui, ok, il y a le télescope. Tac. Les pêches aussi. Tac. Voilà, comme ça on va tout vendre. Rip les oreilles. C'est pas grave. Ils ont déjà assez morflé comme ça. On récupère une masse de mauvaises herbes en même temps. Je crois qu'il y a un. Il y a des mâles si on en récupère 1000, je crois. Je sais même plus. Bon, bah. J'y vais, mais d'abord, je vais m'abonner à ta chaîne YouTube. Merci. C'est quoi ton cas d'ami? Attention, il va disparaître. Attention, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? C'est parti! Place. On n'a pas des trucs cachés? Bah si, ça. Voilà, hop, et dégage les mauvaises herbes. Ok, on va vendre tout ça. Et on est parti. Demande d'amis reçue. J'irai voir après le live. Tac, bon, on va pouvoir aller visiter vos îles du coup. Du coup, voilà, préparez-vous à ouvrir. Et voilà, bye. Merci à toi.
Attendez, on va peut-être aller voir Thibaut d'abord. Salut Anthony. Pourquoi t'affiches plus les miss... le chat sur le live comme tu faisais à une époque? Parce que pour la simple bonne raison que je me suis rendu compte que certaines personnes en profitaient pour afficher n'importe quoi à l'écran. Donc du coup, je n'affiche plus le chat à l'écran. Oula, oula, eh oh. Mince, je crois que j'ai aimé qu'il me raconte la vie de la punaise. On s'en fout un peu, non? Tais-toi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ma carte de Dion, a priori, il y en a. J'ai vu combien? Ouais, 4-5 heures de jeu, je crois. 4-5 heures de jeu. Je sais pas combien ça fait en termes de vidéo. Je sais pas trop. Mince, j'ai pas expertisé de fossiles. Ça te dit un cache-cache? Sur vos îles, ouais, sur la mienne. Enfin, j'ouvre pas encore mon île parce que voilà, il y a encore plein de bordel partout. Donc pas sur mon île. Une chose est sûre. Après, sur vos îles, bah, vous envoyez vous. Enfin, je vous dirais qu'envoyez le votre dodo code et puis je prendrai le premier, tout simplement. Oui, c'est bon. Expertiser mon fossile. C'est vrai que tu peux pas double appuyer, il faut que tu appuies sur plus. Allez, tais-toi, voilà. Fin de donation. Ok, donc on lui a déjà donné. On va se refaire des quelques clochettes. Et genre, je peux déjà vous dire, mesdames et messieurs, attention, balancez vos codes dodo dans le chat. Désolé à tous ceux que je viens de déglinguer les oreilles. Voilà, vous ouvrez vos portes avec un dodo code. Vous les balancez dans le chat et c'est parti, 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 parti. Et j'irai chez vous. Voilà. C'est pas dit qu'on. Enfin, on va peut-être. Je sais pas, on va. Voilà, on va faire un tour des maisons. Un tour des maisons, oui. Oui, un tour des maisons. C'est ça. C'est pas une tour. 3000 clochettes en plus. Tac, on va passer les 80 000. Parfait. Donc dans 18 000, on a de quoi rembourser. Même pas dans 8 000 parce que je vous rappelle qu'on a 10 000 à la banque.
Oui, les conditions pour venir, pour que je vienne chez vous, c'est de donner votre code, vos dodo-codes et que chez vous, posé par terre, y ait 3 millions de clochettes par terre. Sinon, je ne viens pas. C'est faux. On verra Williax si j'ai le temps de venir. Vous savez quoi? Non, je vais faire un truc plus marrant. Soudoyez-moi. Dites-moi en trois phrases pourquoi est-ce que je devrais aller chez vous? On va faire comme ça va être marrant. Juste pour savoir pourquoi est-ce que je devrais aller chez vous et pas chez un autre. C'est marrant. C'est marrant. On va s'amuser un petit peu. Ouais, on a le droit de rigoler, oh. Parce que je vais t'offrir un cadeau. Ouais, mais ça c'est de l'abus de pouvoir. Bon, attendez, je vais taper un premier. Un code que j'ai reçu. Voilà. Tac. Voilà, je sais pas à qui c'est et j'ai pas de pseudo, je vois pas les pseudos. Hein? Je sais pas du tout chez qui c'est. Faut savoir que j'ai masqué tout pseudo. Enfin. Pour du tirage au sort, ça a été simple, j'ai basculé le pseudo, j'ai pris le premier venu. Ça vend des navets? Non. Saoulez avec vos navets! Oh, vous êtes trop loin avec vos navets, c'est moi. Ah! Désolé, je. Bon bah du coup on passe chez toi après, Anthony. Pas de soucis, pas de soucis, on va y aller, voilà, on va faire les deux. Tu me renverras ton dodo code après. Non, je ne vends pas des navets. Je ne vends pas de navets. Coucou, juste Ravel. Non, en vrai, je vais pas vous le cacher, le truc des navets, enfin, ça me saoule un peu. Le fait que, en fait, disons que c'est comme tout. Le fait que ce soit une hype pour tout le monde, moi, ça me saoule. Encore une fois, la mairie, je ne vais pas la visiter, voilà, parce que j'ai pas débloqué ma propre mairie, du coup, vu que toutes les mairies sont les mêmes, je veux visiter ma mairie d'abord, avant de visiter les vôtres. Donc la mairie, c'est le seul endroit où je ne vais pas visiter. Enfin, tous les bâtiments qui sont les mêmes pour tous. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, la mairie, c'est sûr que je ne vais pas visiter. What the fuck? Mais c'est un piège! Mais c'est un piège!
J'ai envie de faire caca, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis constipé. Je suis constipé. Je suis constipé. Tu as pas trop... Tu as pas des trucs en trop, des meubles. Je suis constipé. Attendez, le rendu peut être génial. Crado. Crado. Mais tu viens de me donner beaucoup trop de clochettes. Mais... Bon, bah, dans 8000 clochettes, on a remboursé notre prêt. Mais faut pas faire ça, les gens. C'est de l'abus de pouvoir, tout ça. Trop bien, c'est trop beau chez vous. Ah, et vous avez tous des caca, des cocotiers, pardon, des palmiers d'ailleurs. C'est vachement classe chez vous. Viens. Ça fait un peu pervers, non? Viens dans ma maison. Elle est jolie, ma maison, non? Viens, mon enfant. Viens dans ma maison. Oui, ma maison. Ah là là, j'en peux plus. Faut que je me calme. Oh, c'est stylé. Mon Dieu, c'est si beau. C'est tellement beau. Femme, quand est-ce qu'on mange? C'est tellement sexiste ce que je viens de dire. Je m'en excuse. Il y a une autre personne qui arrive. Sauvegarde. D'accord. What the fuck? Ok, il y a une nouvelle personne. Trop bien. J'irai dormir chez vous. C'est ça. Bah c'est un peu ça en vrai. C'est moi. Bravo. Un grand GG. Attention, par contre, s'il y a le moindre grief aussi bien chez moi que chez les autres, déjà il y a un ban qui se prend. Plus en plus, voilà. Parce que voilà, j'ai pas envie de vous ruiner aussi bien ma partie que la partie des autres. Donc voilà. Donc genre, je peux pas. Voilà. Dans le calme et la sérénité. La sérénité, on s'en fiche un peu, mais surtout le calme. Est-ce qu'on peut? Il y a trop de monde ici. J'aime pas le peuple. On m'empêche de sortir. Poussez-vous. Ils veulent me faire des choses bizarres. Ils m'enferment dans la cave. S'il vous plaît. Sortez-moi de là. Il va se passer des choses bizarres dans cette cave. C'est moi, Paradix. Attends. Je veux dire, relax. Sur le chat, tu m'as vraiment appelé Paradix.
Je dégage. Je quitte cette île. Je m'en vais. Non, je boude. Je m'en fous, je vais dans mon coin, je boude. M'appeler Paradix, vous vous rendez compte? Quelle honte! Quelle honte! Je m'en fous. Je me mets là et puis je réfléchis sur mon existence. C'est la seule chose que je vais faire maintenant. Mais je peux même pas sortir! Non, c'est trop tard. Je boude. Je peux pas sortir! Je suis coincé! Oh, pire truc ever! Genre, il me pousse. Allez, dégage! Voilà. Mais en vrai, je m'aperçois que moi je suis la pire personne à inviter si vous avez envie de me faire montrer des choses. Je sais pas, parce que j'adore tellement vos îles que j'ai juste envie de me promener. C'est quoi, c'est un. C'est quoi, c'est un lit? Ah ouais, c'est un lit. Trop bien! Trop bien le lit! Trop bien le lit, quand tu t'assois dessus, tu. T'as les phares qui s'allument. C'est trop bien. Par contre, encore une fois, je suis coincé. S'il vous plaît! Je peux y arriver. Ah, c'est sympa. Bon, à part qu'il y a beaucoup de poissons. D'ailleurs, attendez, c'est quoi ce truc? En haut, je parle. Ah! Sympa. C'est vrai qu'on peut changer la cam comme ça aussi. J'aime beaucoup. Ouais, mignonne la peluche. Ça fait très invocation de Satan. Non, vous trouvez pas? Ce cliché-là fait très invocation de Satan, non? Avec le livre juste à côté, ça fait vraiment très invocation de Satan. Go dehors pour les habitants. Franchement, j'aime beaucoup vos îles. Vos îles sont toujours super belles. Oh, il est stylé! Oh, il est trop beau! Oh, il est trop beau! Tu as un cadeau? Mais... Qu'est-ce que c'est? Qui est Miles? Plus ça, si c'est ce que je pense, si c'est pour aller sur les îles, honnêtement, je vais les utiliser que quand je pourrais utiliser le mien. C'est nul. Viendez. Ah, s'il faut viendez. Oh, il y a des poires là. Ouais, c'est des poires. Oh, classe le bambou.
sympa. Est-ce que... Oh, on peut monter dessus. Sympa. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, vous voyez, moi, c'est un style comme ça que je gagne. Enfin, un style un peu vrai comme ça que je veux avec... voilà, on garde l'esprit île, quoi. Ah, il y avait un pion, je crois. Je peux pas rentrer, je suis bleu. Je suis bugué. Ok. salut Luffy, je sais plus si je t'ai parlé. Enfin, si je t'ai parlé, si je t'ai dit bonjour, je sais plus. En tout cas, j'ai vu ton message, mais je. J'aime. Enfin. J'adore sa maison, mais elle, j'y trouve pas belle. Vous pensez que si je me mets là, il peut plus sortir? Si je me mets là, il sort plus. Non! Non! C'est nul. Ce jeu est nul. Ce jeu est nul. Nul. Et si je réponds non, il se passe quoi? Bon, ok. Attendez-moi, c'est des petites jambes. C'est le totem de Koh-Lanta. Et la tribu rouge a décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Perdre du temps. Oups. Mon Dieu. Ils n'ont pas vu. S'enfuir, vite. Courez vite. Ils n'ont pas vu. Personne ne sera au courant. Personne n'est au courant de mes moindres faits et gestes. Pas beau. Qu'est-ce qu'il y a tout de beau dans ton armoire? Occupez-le, je fouille. Mais oui, je suis un espion. C'est bien connu. Je suis envoyé par la NASA. Je me suis fait cramer. Je crois que je me suis fait cramer. Non, c'est bon. C'est bon. On va profiter pour fuir. Fuir la menace. Fuir la menace. C'est pas vrai, je... Ils m'ont pas vu. Chut. Chut. Je suis discret. Je suis discret. Je suis caché. Personne ne me voit. C'est bon. Je suis caché. Personne ne me voit. Je suis la discrétion incarnée. T'es où? Il me voit pas. Je suis trop bien caché. Je vous l'ai dit. Je suis la discrétion. Attendez, on va faire ça.
J'en peux plus. Oh mon Dieu. Mais c'est ça, c'est pour ça que moi j'adore Animal Crossing, c'est pour faire des conneries. Non. Parce que non, Animal Crossing, ma vie pour la pêche! Ma vie pour la pêche! Ma vie pour la pêche! En vrai, j'adore pêcher. Maintenant, on va le rejoindre. Avant qu'il nous engueule. Oh, trop bien! Trop bien, regardez ça. Il a des rampes. C'est trop bien. Fait qu'il peut monter. Il peut monter comme ça, en fait. Il n'y a plus besoin de l'échelle. C'est trop bien. Parce que nous, regardez. Nous, en fait, pour monter, on est obligé de faire ça. Nous, on est obligé de faire ça pour monter. Alors que là, regardez. Même si j'ai pas l'échelle, je peux monter. C'est trop bien. Où est-ce qu'il est? Il doit être ici. Franchement, c'est vraiment trop bien. Cléa. Non, pas ce jeu, ça vous apprend un petit peu à devenir zoophile quand j'y pense. C'est un peu une bébête pas mûre. Savoir. Il ne doit rien savoir. On va essayer de lui piquer sa waifu. Non, pas la waifu! Si, la waifu! Regardez, hop, je suis recaché! Normalement, il va passer, il va forcément passer par là. Vous pensez qu'il va me voir ou pas? Il est passé devant, il m'a pas vu. Changer d'arbre. On est discret. Merde! On s'est fait cramer. En vrai, c'est tellement facile de se cacher derrière les arbres. Regardez. Là, on me voit pas. Là, on me voit vraiment pas. C'est fou. Je suis caché. Allez, on va le chercher. On va le chercher. On peut en tout cas se cacher. Il est là, je crois. Non. Je crois que ça se voit bien au niveau des ombres. Mince. Où est-ce qu'il est? Il est là, non? Il est là. Il est là. Il est là, je vois son ombre. Vois son ombre. Je le pousse. Bon allez, on le suit, le pauvre. Par contre, s'il y a un monde de poisson, je suis le premier qui m'arrête. Ma vie pour la pêche. Regardez, il me pousse. Il me pousse avec tellement de violence. Attends. Vas-y, pousse-moi. Comment? Quoi? Depuis quand on peut faire ça? Depuis quand on peut faire ça? Mais je peux peut-être faire ça aussi sur mon île. Je peux peut-être faire ça aussi sur mon île. Oh.
On peut faire ça dès le début. C'est trop bien. Viens. Norma. Et ça, est-ce que ça sert à quelque chose de parler aux habitants de cette île? Oh, c'est quoi sa pelle? La pelle qu'il a? Merde. Pensez que. Non, c'est quoi que je pouvais avoir son poisson? Mon Dieu. Ouais, est-ce qu'il y a un intérêt à parler aux habitants aux habitants des. Enfin, aux habitants des. Des. Qui sont pas de nos îles en fait. Alors non. Voilà. Toc toc toc. Bichour. Il me manque 8 000 pour le prêt. C'est une connasselle. D'accord. 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 Ouais, vous voyez, on arrive à sauter, c'est trop bizarre. Pourquoi est-ce que moi sur. Ah, peut-être parce que sur mon île, en fait, c'est trop éloigné. Là, on peut pas. Ma vie pour la pêche. Ma vie pour la pêche. Ma vie pour la pêche. Ma vie pour la pêche! Si on y arrive. Voilà. Ma canne à pêche a cassé! Non, ma canne à pêche! Bon, tant pis. On peut plus faire ma vie pour la pêche. Il est dans une maison comme celle-là. Il est forcément dans un bâtiment pour que ça fasse comme ça. Sur sa boîte de dialogue. Ouais, il est beau lui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses couleurs. Genre, ils se font des cadeaux entre eux. Bon, vous savez quoi? Je vais fermer les îles. Je vais arrêter de visiter vos îles parce que vous faites des cadeaux entre vous. Moi, ça me va pas. C'est à moi qu'il faut faire des cadeaux. Ok, Tomnook est là-bas. Tomnook est là. Oh purée, mais ok, sa maison est vachement loin.
Arrête de voler mes coquillages. C'est pas vrai? Moi, voler? Non. Moi, j'ai rien volé. On n'a pas de preuves. C'est pas vrai. Attendez, par contre. Oui, tiens, regardez. Il a un bâtiment, moi, que j'aimerais bien voir, je crois qu'il l'a. Ah non. Non, 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 j'ai rien dit. Dit qu'il avait. Comment est-ce qu'on voit la carte? Si, il a l'atelier de couture, ça m'intéresse. Bon, moi, on a remboursé le prêt. Qu'est-ce qu'on a acheté? Un coquillage que j'ai absolument pas volé ici. Vraiment, je l'ai absolument pas volé ici. Attendez, par contre, je veux voir ce bâtiment-là. Est-ce que c'est ouvert ou pas? C'est ouvert, non. Par contre, mince, je vais me faire taxer un. Ah, ok, mon porte-monnaie est plein, ok. Ah, ok, on peut pas porter plus. On peut pas porter plus de 100 000 clochettes. Ou non, je peux aller voir le cookie, le musée. Pourquoi je peux pas y aller? Voilà. Oh, c'est ça, ça j'irai pas voir. Cet endroit, je connais pas. Cet endroit, je l'ai pas débloqué moi. Donc, enfin, c'est une partie du musée là. Du coup, j'irai pas voir. Je sais pas ce que c'est. Du coup, on va pas voir. On va voir que les musées qu'on. Que les musées. Que les parties qu'on connaît. Qu'on a. Putain, mon Dieu, comment c'est classe chez lui. C'est beau. Regardez mon Dieu, il y a des dinosaures complets. Oh mon Dieu. Celui-là, du coup, il lui manque une partie, je pense, là. Mais donc du coup, ouais, à mon avis, en fait, on passe pas à travers. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Ah, je viens de capter ce que c'est. C'est une météorite qui tombe sur la Terre, ça. Ça représente le Big Bang. Oui, non, mais je sais ce que ça fait sur le rond. Ça dézoome la carte. Je sais. J'ai vu. Je l'ai fait dans mon musée. Oh, purée de T-Rex. Regardez, ouais, il y a bel et bien crâne humain. C'est dégueulasse, mais bon. Australopithèque. Comment tu récordes ta Switch via un AverMedia. Via un AverMedia. En fait, j'ai branché ma Switch et ma télé sur un AverMedia, mon AverMedia à mon PC. Et voilà. Poisson, il a dit. Poisson, non, c'est de l'autre côté. Et après, on va rentrer tranquillement chez nous.
C'est vide. Ouais, ça, les anchois, tout ça, on a. Oh vache, c'est quoi ce truc? C'est la cante. Ok. Je sais pas comment ils font les notes de musique, nous on peut pas. Encore. Mais bon, je pense qu'on débloquera ça plus tard. Cet aquarium-là, il est vachement bon, moi je trouve. J'aime bien mon île, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oh, regardez, il a réussi à choper les guêpes, à mon avis, pour avoir la ruche en haut. Sympathique, sympathique, sympathique. Bon, après, on va pas tarder à y aller aussi. Bon, j'aimerais pas non plus que la live dure 3 heures rien qu'à visiter vos îles. Demain, oui, demain normalement. Normalement, live sur Animal Crossing. Encore une fois, je pense pas non plus que les live. Enfin, en vrai, je sais pas. J'allais vous dire, je sais pas si on va live tous les soirs. Mais en vrai, je pense que je vais. Enfin, en fait, disons que vous vous rendez pas compte, mais en fait, pour moi, là, ça revient juste à jouer. Donc, bon. Bon bah voilà, on va pouvoir y aller. On va. Oui, tout bon. On va voir s'il y a encore une requête. Enfin, s'il y a encore quelque chose à me faire montrer. Mais sinon, on va gentiment pouvoir s'en aller. Par où? C'est par là. Dernier cadeau. Radio portable. Ok. C'est pas vrai, je suis pas du tout en train de relâcher tous ces coquillages. Passer. Faut que je trouve un moyen de passer.
Je veux des poires. Je veux des poires. Bon bah tant pis. Game Attack. Je pense pas aller voir une autre île maintenant. Enfin, ou alors on va ou alors une visite rapide. Bon, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça demain, on va voir ton île. Salut, Vectuas. Ça va, et toi? Bon, du coup, on va pouvoir rembourser notre prêt. C'est n'importe. Vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi, les gens? Mais bon. Merci en tout cas pour tous les cadeaux, notamment l'argent aussi. C'est seulement vous étiez aussi généreux sur Utip pour donner de l'argent. Je rigole. On rigole. On s'amuse. C'est spectacle. Bon, du coup, on va tout de suite aller rembourser notre prêt. Et donc, du coup, demain, on devra avoir la maison. Merci pour le follow. Merci Vegetuas pour le follow. Vous êtes au courant que je vais avoir plus de follow que d'abonnements YouTube. C'est n'importe quoi. Alors du coup, bon, on va tout de suite rembourser le prêt. Aïe. Quelle couleur de toit? Autre couleur. Voilà, violet, faut pas déconner. J'avais oublié. Yes! Ok, Vectuas. Yes! On a le droit aux nouveaux avantages avec les miles, donc ça c'est cool. Ok, donc maintenant on va pouvoir acheter notamment les améliorations, je crois. Yeah, on a les Miles Nook Plus. Alors, échanger des Miles. Alors, ticket Miles, on s'en fout.
Motif perso pro, on s'en fout. Fabrication de bons outils. Ça, c'est intéressant. Savoir s'organiser, panel d'outils. Les deux là sont très intéressants. Ça, c'est intéressant en vrai. Ça, il me faut. Voilà, donc ça, c'est les améliorations, pour ceux qui ne sauraient pas. Parfait. Donc je vais vous faire montrer après comment ça marche. Parfait. Donc regardez. Je sais pas comment ça marche. On verra. Attendez. Ok, ensuite, du coup, savoir s'organiser, ça va être utile. Ok. De toute façon, il faut prendre un maximum d'amélioration. Pour savoir s'organiser, oui. Tu as tout compris. Tu peux ranger plus de choses, yes. Ok, ensuite. Fabriquer de bons outils, ça peut être vachement cool. Ouais. Ou les coiffures. Les coiffures aussi pourraient être cool. C'est quoi Pop? Pop est cool. On prend cool ou pop? Je pense qu'on va partir sur... Oula. On va attendre du pop, allez. Tac, voilà, comme ça on a dépensé, bon, on a dépensé tous nos miles. Tac, au moins c'est fait. Du coup. Merci. Moi j'ai pas vu le follow. Attendez, je vais prendre l'appli. Je vais regarder le follow. J'ai pas vu. J'ai raté. Merci Kilif pour le follow. Du coup, ici maintenant, si je fais ça, ah, on a la roue à objet. Oh oui, c'est quand même beaucoup plus pratique, ok. Parfait. Ok, donc ça, ouais, ça c'est beaucoup plus pratique. On a une ligne en plus, donc ça c'est cool. C'est moi ou... Il m'a pas pris mon... Il nous a pas construit la maison, si. Ou alors c'est lors du prochain... Ah pas. Bonjour, bonjour. Que puis-je t'aider? À propos de ma maison. Pas de demain. Ok. Bon bah. On a combien de clochettes? 900 clochettes, ok. Ok, donc on va stocker. Donc on va stocker 2000 clochettes. Tac, voilà. Comme ça demain il aura tout parfait. On va aller chez nous, on va voir du coup les nouvelles tenues qu'on a eues et puis je pense que ça va être bien pour aujourd'hui. Je pense que ça devrait être bien pour aujourd'hui. Voilà, tranquillement on va pouvoir s'arrêter. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Ouais, enfin après on peut toujours en faire plus quoi, mais bon. Voir les nouvelles coupes du coup.
Ah, ouais. En vrai, est-ce qu'on n'irait pas moi par moment? Mais en vrai, moi, c'est un mélange de ça, mais semi-frisé en vrai. En vrai, non. Ça, c'est toujours ce qui me ressemble le plus actuellement. Par contre, s'il vous plaît, au bout d'un moment, les restrictions, pas du tout. Les mesures sanitaires, c'est fini. Bon, faut qu'on continue de porter le masque, mais bon. Voilà. Hop, ça. Voilà. Ah! Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on n'a pas des balles ou des trucs comme ça? Oh, cool! Miles Nook Plus, ok, ça c'est cool. Ok. Gagne des clochettes en vendant des objets. Que me fasse 5000 clochettes, bah ça je peux pas. Prendre une photo souvenir. Ok, bah ça c'est pas compliqué. Voilà. Tac, hop, au moins on se fait des miles. Tac, ça c'est quoi? Dépenser des clochettes lors de l'achat, ok? Attraper un Bernard l'ermite, forcément. Bernard l'ermite ou couper du bois. Ok. Donc on a coupé du bois. Bon, on va faire ça, couper du bois. Tac. Super. Pourquoi pour surfer une hache? Pour se faire une hache, on a tout. Ok, on va se faire une hache. Tac. Oui, non. Oui, c'est ça, à mon avis. La maison, on peut la lancer, mais le prochain prêt coûtera 93 000, 98, je sais même plus. Tac, récupérons ça. On est à combien là, en tout? T'as pas mal. Pas du tout. C'est ça que je veux. On a 6 sur 8. Et là, on a des malles à récupérer. Parfait. Tac. Et c'est tout. Tac, ok, ça c'est fait. Du coup, ça c'est bon. Parfait. Ensuite, on a quoi? On a pêché, attraper des insectes. Ok. Ça peut être trop compliqué. 5 insectes à attraper. Faut juste faire attention. Mais sinon, en vrai, ça va. Qu'il y a toujours des papillons de nuit qui traînent. Là, il n'y en aura plus. Yo, Black Star. Et devant.
Ça va, et toi, Black Star? Plus important, c'est pas moi, est-ce que je vais bien? C'est vous, est-ce que vous allez bien? Vu que moi, ça va forcément si je live. Sinon, je ne liverai pas. Voyons. On n'a même pas fait sa quête à lui et je pense qu'on la fera pas. La quête du fantôme. Quoique en vrai. Ouais non, c'est pas des insectes. Est-ce que les chats y arrivent là-dedans? Oui. T'as que des pêches. Non, j'ai des oranges. J'ai pêche. J'ai pêche et orange. Vous tirez des femmes. Ah ok. Je peux me mettre dans les femmes. Ah oui ok. Mince. J'ai raté un insecte. Tac, on a 2 sur 5. Deux sur 5. Tu veux le reste des fruits? Bah en vrai, ouais, why not? En vrai, ouais, même, carrément. Je peux te les donner. Ouais, ouais. Ah d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un Bernard Lamy? Voilà, là. Comme ça, on complète. Une quête en plus. Tac. Là on a 3 du coup, 3 sur 5. Je sais pas si Bernard Lamy a été compté d'ailleurs. C'est quoi là-haut? Ça. Planter des arbres fruitiers. Ça. Bah ça on va le faire aussi. J'ai pu te donner mon code. Oui, tu l'envoies dans le chat. Tu l'envoies dans le chat, y a pas de soucis. Bon, on trouve rien d'autre comme insecte. Non. Bon, on va déjà donner tout ça. Aïe. J'ai ma chambre craquée. À moins qu'il y ait d'autres. Non. Quatre. Et enfin. Il nous en faudrait un dernier, ce serait tellement bien. Et on serait bien. Sur un dernier insecte. Allez, ça sent bien dans la limite. Yes. Voilà. J'arrive, Black Star. Ok.
Tac. Hop, je finis ça. Je vais tout vendre. Et j'arrive. Ah, on a validé un truc. Time travel, ça ne te dérange pas. C'est quoi, c'est avancer l'heure de la console? Oh, en vrai. De toute façon, franchement, honnêtement, soyons honnêtes. Que ça me dérange ou pas, ça va changer quoi? Donc non, en vrai, je m'en fous. Enfin, moi, je le ferai pas, mais en vrai, vous le faites, je m'en fous. Enfin. Time travel, je crois que c'est avancer le temps de sa console. Tac. Ok, 4800. Tac, on va tout stocker là. Va faire c'est qu'on mince attendez parce qu'on a peut-être quelque chose de cool on peut apprendre les nouvelles coiffures les on va attendre un peu comme ça on aura le meilleur outil tac dépôt on va poser 50 000 voilà tac au moins question argent maintenant on est bien. Non, c'est comme ça. Voilà. Ok, bon, on arrive. On va chercher du coup tous les fruits qu'on va nous donner. Enfin, tout ce qu'on va nous donner d'ailleurs. Je sais pas si c'est tous les fruits ou pas, on verra. Tac. Toto Airline. Tac. Allez voir quelqu'un. J'ai en ligne. En vrai, c'est sûr que oui. Du coup, en time travel, ça doit être beaucoup plus rapide. Mais bon, enfin. Disons que pour moi ça fait partie d'un de l'un enfin ça fait partie d'un charme d'Animal Crossing. Certains ça les dérange, pour moi ça fait partie du charme d'Animal Crossing d'attendre justement en fait. De dire ok ça je l'ai dans. Je l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Mais bon. Après voilà, chacun est libre de voir midi à sa porte. Tu enlèves le E, tu mets un A, tu as mon île. Ok. What the fuck? Bon. Et on va pas tarder à s'arrêter. Excusez-moi, je commence à fatiguer.
Allez, quand tu veux. Non, en vrai, j'ai pas plus joué que ça en Arkham. J'ai plus joué à Smash, honnêtement. What the fuck? C'est quoi tout ça? C'est quoi? Ok? C'est. Ok, donc on en parle qu'il y a 30 000 clochettes à mes pieds. Attendez, c'est quoi? Attendez, 2 secondes. C'est quoi ça? Ah, ok. C'est pour toi. LOL! Pff, c'est taré, les gens. On a bien tout de quoi rembourser 2 fois notre prêt. Ok. Tu veux faire visiter quelque chose? T'as quelque chose à faire visiter? Willax. Non, pas trop. Ok, comme tu veux. Bon, moi ça aurait été rapide. C'est une visite rapide, c'est rapide, mais bon, merci à toi en tout cas. Merci à toi. En tout cas, ton île me stresse. Le nom de ton île me stresse. Le nom de ton île me stresse. Pour une lettre, c'est la même que moi, donc bon. C'est le hasard. Non, je suis sûr que tu es un fan sans le savoir. Que ton âme m'aime. Et que ton âme s'est dit, on l'aime trop. Il faut qu'on soit pareil que lui. Non, en vrai, oui, je sais que c'est le. Enfin, en vrai, mon île, c'est paradisiaque, quoi. Enfin, paradisiaque, paradis. Voilà. C'est le. Enfin, ça paraît logique, quoi. Quoi, non, non. Avouez, vous êtes tous des fanboys, c'est tout. Bien qu'en vrai, enfin. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des fanboys, enfin, je comprends pas pourquoi en fait. Enfin, je considère qu'on je fais rien de spécial quoi. Je joue quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais bon. C'est notamment pour ça que j'ai eu du mal avec avec être entre guillemets connu sur eux. Enfin, pas être connu, mais vouloir. J'ai oublié les cerises. C'est pas grave. Je vais pas faire un aller-retour maintenant. Tant pis. Peut-être prochain live si t'es là, mais là je vais pas faire un aller-retour. Je disais oui. C'est pour ça notamment qu'il y avait du mal avec le fait de vouloir absolument avoir masse d'abonnés. C'est parce qu'en fait pour moi, ce que je faisais, ça se résumait tout simplement à jouer. Mais enfin, c'est bien plus que ça. Enfin, c'est plus que ça en vrai. Mais
Enfin, il y a de ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Enfin, du moins, en live, pour moi, ça se résume à jouer. En vidéo, c'est différent pour moi. Ça me prend là, je crois. Les cacao. Les cacao, les noix de coco. Je dois me coucher à bientôt. Bah, à bientôt. Et puis, bah, à la prochaine fois. À la prochaine. De toute façon, on va pas tarder à arrêter, nous aussi. Voilà. Tu avais dit 23h max pour les lives. D'ailleurs, c'est là qu'on a ça. On avait la radio portable. Ça ressemble à quoi? Oh, mais ça ressemble à ce qu'on a déjà de base, nous. On va la vendre. On va voir combien ça se vend. D'accord. Et puis on va s'arrêter, du coup. Voilà, on aura fini. Ouais, bon, en vrai, je vais la garder pour le si peu. En vrai. Moi, je n'ai pas un système de vente aux enchères, en vrai. Genre, tu mets un produit à vendre et c'est le premier qui. Enfin, tu le mets à vendre et tes habitants misent de l'argent et c'est ceux qui proposent le plus qui te donnent. Enfin, qui coupent bien l'objet. Ça pourrait être super sympa. Mais bon. Est-ce que ça va vraiment dans le style Animal Crossing? Pas sûr. Donc pour le moment, on met tout ça là. On va récupérer également nos miles. Et on a presque obtenu tout ça. En vrai, on a bien un truc à vendre. Faut qu'on arrive à se faire un tout petit peu d'argent. Comme ça, voilà, on finit la quête. Calme-toi, Zezio. Salut, mais calme-toi. Je l'ai déjà dit en plus. À quand on retourne à Minecraft? En vrai, il est là mon problème avec Minecraft. C'est que Minecraft, si on est que je considère que j'ai déjà pas mal fait le tour, dès qu'il y a des jeux qui m'intéressent plus, bah Minecraft passe en secondaire quoi. Mais je sais pas. On verra. Oh, vu qu'en vrai, j'aimerais bien. Je vais pas vous dire maintenant parce que. J'aimerais bien finir Wario déjà, rapidement. Donc bon, je sais pas, on verra. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'MC Eternal, je suis pas à court de record encore. Pas comme si j'étais à court de record, là, il manque, j'en ai plein. J'ai même limite du mal à les monter. Tellement. Pas tellement. Minecraft, en fait. Enfin, je vais pas dire que c'est ce qui me plaît le moins. Mais c'est. Enfin. Voilà, c'est le jeu où je découvre le moins, ce qui fait que. Ouais. Ça m'intéresse un petit peu moins, quoi. Bon. C'est tout. Oh là là. Tu peux vraiment rien me racheter l'autre. Moi, tant pis. On va vendre quelques pêches, je pense. Tac, on va finir la quête Miles et la quête Miles, et puis on va s'arrêter. Ah, je pense que oui, honnêtement, MC Eternal sera. Enfin,
Une fois que MC Eternal sera terminé, d'ailleurs je sais même pas si on fera toutes les quêtes, vraiment. On verra. Mais je pense qu'il y aura une pause entre la prochaine aventure Minecraft. Parce que bon. Par contre, j'ai des gros bugs de notif. Je pense que YouTube fait de la merde. Parce que même au niveau des vues, c'est le bordel. Enfin, dites-vous que les vues quand vous cherchez sur mon pseudo sur YouTube ne sont pas les bonnes. Les vues sur ma chaîne ne sont pas les mêmes, ne sont pas les bonnes. Les vues sur l'affichage sur le créateur de studio, sur la page d'accueil, c'est pas la bonne. Mais quand on va dans les paramètres vidéo du créateur studio, là on a les bonnes vues. C'est tout un bordel. Donc ouais, YouTube fait de la merde en ce moment. Mais même, enfin de toute façon, moi je le vois quand YouTube fait de la merde par rapport aux vues. Les vues, ça part en steak. Yeah, 1500, voilà. Tac, on va déposer. Oui, non, déposer. Donc là, ok, on va déposer. On va redéposer 50 000. Oh, s'ils font chier. Bon, ça dépend ce qu'ils vont faire. Comme tout. En vrai, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils font chier. Ça dépend ce qu'ils font, en fait. Enfin, moi, je fais partie du peu de personnes sur YouTube qui réfléchissent avant de parler. Désolé pour tous les autres. Mais, enfin, je vois pas l'intérêt de gueuler maintenant, en fait. Parce que ça se trouve, tant ils vont nous pondre quelque chose de génial. Et tout le monde, enfin, tout le monde va cracher la gueule. Et voire même encore pire, c'est parce que, justement, c'est quelque chose de génial, mais les gens leur ont craché à la gueule, les gens continueront à leur cracher à la gueule alors que c'est quelque chose de génial. Donc bon, on attend, on voit, et puis on verra bien. T'as vraiment espoir qu'ils fassent quelque chose de bien YouTube? Bon oui, en vrai, ils ont fait pas mal de choses qui étaient pas mal. En vrai, ils font les choses bien YouTube. Enfin, disons que le problème YouTube, c'est pas tant leur problème. Enfin, c'est pas les mises à jour le problème. Le problème de YouTube, c'est leur com. Ils savent pas communiquer. Mais sinon, en vrai, les mises à jour sont super cool. Donc pour moi, honnêtement, qu'il y ait des bugs de notif, tout ça, enfin qu'il y ait des bugs, pour moi, c'est eux qui travaillent, c'est normal. Après, le problème, c'est que bug de notif, ça fait 3 mois qu'ils sont là, quoi. Enfin, même pas, ça va faire un an, voire même plus, 2 ans qu'ils sont là. Donc bon. Mais bon. Mais c'est normal, c'est parce que t'es jeune, Zézio. T'es jeune. Vraiment. Mais genre, ça se voit tout de suite que vous êtes jeune, les gens. Donc là, on a obtenu de nouveaux crafts, je crois. Ça se voit que vous êtes jeune. Ah, ça m'énerve. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il manque. Pourquoi il manque encore un fruit? Qu'est-ce qu'il manque? Je sais pas. Bon bref. Hache rudimentaire. Ah ouf. Vive l'éternuement pendant les lives. Toujours un plaisir. Pourquoi on a hache en pierre et hache?
14 ans et 10 ans dans la tête. Bravo. Ah, ok, bon, en fait, c'est pas compliqué à faire. Ok. Du coup, là, il me faut des pépites de fer. Mais des pépites de fer, j'en ai pas. J'en avais pas déjà. Ou alors chez moi. Ou alors je l'ai vendu. Mais bref, quoi qu'il y ait, vous êtes jeune. Mais vraiment. Vous êtes des enfants. C'est pour ça. Vous êtes des petits enfants. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Donc on va allumer ça. Ah non, c'est déjà allumé. Bon. Bah du coup, rendez-vous demain pour le prochain live sur Animal Crossing. On se donne rendez-vous demain du coup pour le prochain live. Normalement avec la maison. Ah, tu as vu. C'est pas une question d'âge, Zio. Et puis c'est pas une question de faire la morale non plus. C'est juste une question de dire ce que je pense. Et enfin. Ça j'ai toujours fait. Donc enfin, et encore une fois. Vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Vraiment, parce que personne ne m'empêchera de dire ce que je pense. Je l'ai toujours dit que pour moi, enfin, pour moi, il y a des comportements que. Enfin, il y a des choses pour lesquelles, enfin, c'est bon quoi. Les gamins vont me saouler. Bon, en vrai, YouTube, je m'en fous. Enfin, voire même YouTube, je vais pas vous le cacher. Qui s'en prennent plein la gueule, c'est. Ils le cherchent. Limite, ils le font exprès, YouTube. Juste pour qu'on parle d'eux, ils le font exprès, donc bon. Mais bon, moi je suis pas un pro anti-YouTube ou quoi que ce soit. Je considère que sans la plateforme, moi personnellement, je ne suis rien, donc bon. Rien que ça. Non, je sais pas parler, toi. Toujours la même qui se déclenche. Donc bon. À partir de là, voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous du coup dès demain. Peut-être en après-midi, on verra. Pour un. Pour un prochain live. Peut-être, ouais. Peut-être demain après-midi, on verra. Sinon, ce serait demain soir. Vers 20h comme d'hab, mais je vais voir peut-être demain après-midi si j'ai le temps en fait. Donc voilà pour ça. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous demain. Ceux qui sont sur Twitch, n'oubliez pas de follow et de passer sur tout le monde. Il est beau, tout le monde il est content, tout le monde est gentil. Je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. C'est pas enfin, encore une fois. Voilà, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un qui sera méchant. Mais quand quelqu'un est un connard, je préfère lui dire, voilà mec, tu vas trop loin, t'abuses, stop. Voilà. Donc voilà, ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de follow et de vous abonner sur de follow et de venir sur YouTube pour vous abonner. Ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important. Ceux qui regardent la rediff, n'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche. De mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo à vos amis, c'est très important pour que ceux-ci puissent me découvrir. Et pourquoi pas enchaîner sur un abonnement. Et je vous rappelle que si mon travail vous plaît, vous avez toujours mon lien vers Utip. Pour vous, c'est gratuit. Pour moi, ça me rémunère si mon travail est à la hauteur de vos attentes. Pour vous, vous avez juste à regarder des pubs. Cette outro est beaucoup trop longue. Merci à tous. C'était pas. Rendez-vous demain pour. Minecraft Dungeon et pour demain. Merci à tous, c'était Para. Bye tout le monde, salut tout le monde, bye.